Bonjour les amis, comment allez-vous? Les enlever. Écoutez, moi, ça va, hein. J'ai pas beaucoup de temps, figurez-vous, parce qu'après je vais faire ma mammographie, celle de tous les 2 ans, vous savez. Attention, je vais déplacer la table. Non, je vais vous approcher autrement. Donc j'ai pas beaucoup de temps. Attendez. Pas pousser non plus à me mettre dans les orties, hein. Bon, bah écoutez, pas faire mieux. Bon, aujourd'hui, vous l'aurez vu dans le titre, comme d'habitude, j'espère que vous allez bien, tous et toutes. Hein, je sais que, bon, on fait avec qu'est-ce qu'on a. Moi, j'ai les cheveux propres d'hier, ils sont déjà pas beaux. Il faut que je change de shampoing encore une fois. Yeah, ça va pas, ça. J'en ai peut-être ouvert. On verra ça dans le prochain épisode. Aujourd'hui, donc, je vous montre. Ah, ça va être un haul Ambriolis, de la marque Ambriolis, et mes achats. Et cadeau, Yves Rocher. On y va? On y va. De toute façon, on ne peut pas me dire non. Donc, chez Ambriolis, à savoir que c'est un concours que j'ai gagné chez une youtubeuse en dessous. Oh, purée. Donc, je vous ai déjà parlé il y a quelque temps lorsque j'ai fait un make-up. Elle s'appelle Marshmallow World. Son petit nom, c'est Sarah. Donc, j'ai gagné chez elle un concours. J'ai fait 1000 concours pour Noël et tout ça. J'ai gagné que celui-ci. C'est déjà pas mal, me direz-vous. Mais c'est bête, dans le lot. Ah, j'ai mal à l'oreille. Chérie m'a mis mes boucles d'oreille, il m'a défoncé l'oreille. Il ne trouvait pas le trou, j'ai l'impression qu'il a voulu en faire un autre. Oui, il ne trouvait pas le trou, c'est rigolo, hein. Oh là, c'est classe. Moi, aujourd'hui, j'ai mis de l'argent, de l'argenterie. Bon, il faut dans ce lot, il n'y avait pas la crème Ambriolis. La crème, la. Comment elle s'appelle? Un nom spécial, je ne me rappelle plus, qui est une très très bonne crème. Je l'avais un jour achetée il y a très très longtemps, de nombreuses années de cela, en pharmacie. Je ne l'ai pas rachetée depuis, je pensais qu'elle était dans l'eau. J'avais mal écouté, mal regardé, comme d'habitude, c'est pas grave. Parce que j'étais très bien. Donc, j'ai dans le lot, j'ai eu une poudre compacte bonne mine, c'est-à-dire bonne mine, bonne mine. Donc, c'est Ambriolis secret de maquilleur. Me vois pas là. Faut pas que je plisse les yeux. Oh, mais j'ai du mal à parler ce matin. Mais c'est toujours ma langue qui est irritée sur le côté. Et donc, ça me fait mal. Donc, c'est la poudre compacte bonne mine, comme dans Astérix et Obélix. Je crois que c'est celle qui est en poisson, non, bonne mine. Ou alors, c'est la femme de. À bras raccourcis, je ne sais plus. Alors, vous y ressemble la bonne mie pour le popo de transé. Bref, donc c'est une teinte universelle, tout type de peau. La poudre fait 15 grammes. Pas du tout, elle fait 12 grammes. Et la peine que je dise, vous allez connaître. Je vais vous la montrer. Pas encore testée. Je ne sais plus. Je l'ai vue l'autre fois avec ma copine. Elle a voulu absolument regarder la poudre. Moi, je voulais tout garder et fermer, mais bon. Non, c'est ça, elle est nette, précise. En revanche, c'est bizarre, il n'y a pas de petite houppette. Normalement, il y a des houppettes là-dedans. Mon fiche, moi j'utilise un pinceau. Alors pourquoi tu le différences? Parce que je trouvais ça étrange. Bref, donc, une poudre, mais poudre crème, dirais-je. D'abord, je vais vous la montrer. Voilà, vous voyez, voyez-vous. Vous voyez, regardez. Donc, une poudre avec marqué le E gravé d'Ambriolis. Une teinte selon moi, non, c'est pas une question universelle, c'est-à-dire on va quand même, non, elle est pas trop terne, elle fait pas terreuse, enfin, elle fait pas terreux, hein, vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez bien, bon, vous savez quoi? Et qu'avec moi, on perd rien, oui, non, mais attends, je suis la fille spirituelle de Guirou. Ah oui, c'est des zocomies surtout. Mais bon, vous ne voyez pas. Bref, alors, elle est très légèrement pailletée, je dirais, mais alors, c'est très, très discret. Donc, je pense que c'est très bien pour en mettre sur tout le visage. Et comme c'est légèrement, moi, je trouve que c'est au toucher, c'est légèrement crémeux, voyez-vous. Je pense que ça pourrait être bien pour. Mettre sur tout le visage pour s'en servir un petit peu comme. Attendez là.
J'ai rien sur la peau, hein. J'ai, à part du baume Embryolisse que je vous présente après. Oh, je suis pour présenter deux trucs, j'ai mis une heure. Oui, on pourrait, je pense qu'elle pourrait servir en fait de fond de teint, de crème, de poudre teintée pour tout le visage. Et en accentuant, ah, on le fera ensemble, je ferai un test avec vous. En accentuant avec un pinceau comme ceci, ou un pinceau spécial, hein, j'en ai. Vous voyez, creux de joue. Et on va le faire. Allez, j'ai pas le temps, mais bon. Je vais faire du contouring avec. Vous voyez? Bon, pas la peine que j'insiste, j'ai un masque, de toute façon. Bon, j'ai pas. Non, non, j'ai pas le masque, je vais pas faire un cambriolage. J'ai pas le masque partout. Mais je pense que c'est pas mal comme ça. Elle est assez foncée quand même, hein? Rouge. Moi, ça ne me dérange pas, puisqu'après, il suffit de la diffuser. Donc, je la trouve très bien. Donc, nous avons cette crème, cette poudre. Donc, je vous dis qu'il peut être pour moi un fond de teint poudre, franchement. Nous avons également deux soins correcteurs anti-cernes. Alors, je ne les ai pas du tout testés, ceux-là. J'en ai deux parce que j'ai deux teintes à chaque fois. Là, j'ai la teinte beige et la teinte, en français c'est mieux, teinte rosée. Moi, je sais que c'est la teinte beige qui va le mieux. J'ai plutôt une peau beige, voire dorée, que rose. Rose, sur moi, ça fait malade. Alors, c'est présenté en petits tubes comme ceci. C'est petit quand même, hein? 8 millilitres. Soin correcteur anti-cerne. Toujours la même chose, secret de maquilleur, patin à coup fin. Oh, je fais bien mon embryolisse, ils ne vont pas me garder, ils ne vont pas me prendre. Donc ceci, on va voir ce que ça fait. Mais je ne l'ai pas cessé, je fais n'importe quoi là. Ouh là là, c'est un petit embout qui a coulé d'ailleurs, vous voyez? Petit embout comme ça, donc à mettre au doigt ou au pinceau. Donc nous l'avons, donc je l'ai de deux couleurs. Donc la teinte beige et la teinte rosée. Donc je ne vais pas l'ouvrir, hein, pas la peine. C'est la même chose, mais en teinte légèrement rosée. Ensuite, j'ai dans le même lot, enfin dans le, oui, dans le même lot, deux baumes, baume douceur lèvres. J'en ai un rose pink. Non, j'ai mélangé l'anglais et le français. Rose nude. Et l'autre que je porte sur les lèvres, le corail nude. Donc là, je n'ai pas testé, je n'ai pas testé les deux. Donc, je vais vous montrer. Bon, ben écoute, c'est un jumbo, hein. Pas un Dumbo, non, c'est pas l'éléphant qui a les grandes oreilles. Petit, avec des grandes oreilles. Oui, d'accord. Donc voilà, ça se présente comme un jumbo. Ça se voit que j'ai utilisé, il y en a déjà partout. Super, donc vous voyez, très joli petit jumbo. Voilà, par contre, est-ce qu'il se. Oui, il se zoome, il se twist. Pour. Ouais, faut pas que je twist. Il se twist, magnifique. Donc je trouve vraiment cette couleur ravissante. Pour l'été, sur la peau dorée, ça va être terrible. Et terrible. Bon, voilà. Je n'ouvre pas le deuxième. Ce sera le même, mais dans une couleur donc légèrement différente. Voilà. Alors, celui de gauche avec ma grosse main, c'est le corail. Celui de droite avec ma main grosse, mais normale, c'est le rose nude. Moi, je trouve qu'il est plutôt rose. Ici, c'est rose pâle. Celui-ci, c'est bois de rose. Mais bon, j'aime bien le corail, vraiment, voilà. Donc voilà mon petit lot Embryolisse. J'adore les produits Embryolisse. Enfin, j'adorais la crème que j'avais testée. Oh putain, mes cheveux, ils sont propres. C'est une cassette. Moi, quand je vais la prochaine fois chez le coiffeur, je vais lui dire que je ne veux plus d'effet racine. Je déteste. Je vais lui faire faire. On change de sujet. Ouais, je vais lui faire faire une colo racine. Oui, mais moi, je peux pas. Je supporte pas. C'est la mode, mais je m'en fous de la mode. Moi, je fais ce que je veux. Ensuite, nous passons à mes achats. Ouais, mes achats. Attendez. Yves Rocher, le cadeau d'anniversaire. Ah, mort de rire. Le cadeau d'anniversaire. Mon fût, oui. Attendez, je sors tout d'abord. J'ai tout ça dans un sac chamailleux. Ceci n'a rien à voir avec cela, mais. Il y a tout là. Bon. Alors, d'abord, j'y suis allée pour mon masque bleu, figurez-vous.
dépité, dégoûté, à la rue. Masque bleu, il avait tous les masques, sauf le bleu, il n'en avait plus. Il l'avait, mais il n'avait plus. Vous voyez ce que je veux dire? Elle me dit, oh, mais allez dans un autre magasin. Je dis, oui, écoutez, excusez-moi, mon mari et moi sommes handicapés. On ne va pas s'amuser à faire tous les livres rochers de Lyon. Hein. Alors j'ai essayé de trouver autre chose. Elle m'a conseillé celui-ci, mais bon. Je l'ai pris, je l'ai fait ce matin. Je trouvais qu'il était très, très agréable. Il m'a bien illuminé la peau. Donc j'ai pris le orange, orange, qui s'appelle Masque Baume Régénérant au Calendula Bio. Ça ne peut pas être mauvais le calendula, hein? Il est ravissant, c'est printanier, ça fait rêver. Voilà celui-ci. Je vous dis, j'ai mis testé une fois ce matin. Et j'ai trouvé que ma peau, après, était repulpée. Repulpée. Mais figurez-vous que le truc dingo. Quand je suis arrivée ici, j'ai une boîte ronde, on s'en fout sa taille et sa forme. Une boîte dans laquelle je mets tous mes produits en double, par exemple, ou ceux que je n'utilise pas. Non, dans l'instant. Et figurez-vous, en fouillant, devinez ce que j'ai trouvé, le truc inimaginable. J'ai trouvé mon masque bleu. Oui, j'ai trouvé mon masque bleu, donc j'en ai un. En attendant de commander sur Internet, peut-être. Oula, tout est tombé sur Internet. Bon, ça me casse les. Bon, on va mettre dans le sac à maillot. Hein. Donc voilà, un petit masque. Et j'allais aussi, du coup, en attendant de pouvoir acheter du Garancia, j'ai pris un soin liftant anti-poche au collagène végétal, donc pour le contour des yeux. Voici la boîte anti-poche, c'est tout. Quoique, ça va ce matin. Un petit peu quand même. Oh, qu'est-ce que j'ai là? Un truc noir? Non, non, c'est pas un point noir. Hein. Ah non, j'ai pas de point noir. Je vous jure, ça n'est pas de point noir, à part sur le pif de temps en temps. C'est intéressant. Ouh, puis c'est sexy. Oh là là, c'est pas Samswell du tout. Ah non. Voilà comment il se présente. Pas encore testé. Mais ce matin, j'ai fait le masque, donc je ne mets pas les deux. Je le testerai ce soir. C'est un petit tube de. Combien il a de millilitres? Tiens, fais-moi rire un petit peu, juste pour voir. 14 millilitres pour les yeux, on me dirait ça suffit. Il suffit d'en mettre pas trop, parce que moi, je suis. Avec ma distinction et ma légèreté, j'en mets beaucoup trop. Donc, il faut que je me. Contrôle. Voilà, un très joli tube vert sapin et doré. Je trouve ravissant, sincèrement. Ça fait très Noël. Ça, sur le sapin de Noël, ça aurait été joli. Bref, alors qu'est-ce qu'ils disent? Bref, soin liftant anti-poche. Regarde. Regarde. On va vivre l'âme. Ah, et il coule. Bon, ben, on va l'utiliser. Une petite gouttelette. Oh, c'est joli, une petite gouttelette blanche au bout. Oh là là, vite en le bleu. L'esprit mal tourné, là. Ouais, il coule tout seul. Donc, vous avez un petit embout comme ceci. Je pense qu'on peut l'appliquer. Avec l'embout, bon, j'en ai sur le doigt, on va l'utiliser. Hein. C'est très frais, très très frais. Ça, l'hiver, tu mets ça. Non, l'été, tu mets ça. Frais le matin, tout de suite, effet. Vous voyez ce que je veux dire? Effet tenseur. Ta soeur. Ça me brûle un peu quand j'applique. Oh, bon. Peut-être que ma peau est irritée en dessous par le masque. Va savoir, Charles. Bon, j'ai mis la goutte qui traînait. Vous voyez que la petite goutte qu'il y avait, c'était suffisant pour faire les deux yeux. Bon, il ne faut pas vous en parler tout de suite de l'effet, bien évidemment. Hein. Soyons pas stupides à ce point. Ensuite, alors. Ah oui, si, j'avais envie de tester. Mais longtemps, je n'ai pas testé des fonds de teint ou des crèmes. Style crème teintée, crème bébé crème de chez Le Rocher. Donc j'ai pris le fond de teint Peau Parfaite, pigment fusion, végétal minéral, texture fusionnelle. Censé durer 14 heures. Donc c'est la crème, zéro défaut hein, quand ça se présente. Marron, bien marron. Ah non, je vous connais, hein. Un peu de Yves Rocher. Hein. J'ai pris en doré, donc avec doré, rouge. Bronzé. Ouh, il est foncé. Oh, mon gars. Alors, c'est déjà mon point. C'est un flacon pompe. Et je le trouve très foncé.
Mais en même temps, peut-être matcherait-il. On va pas l'utiliser, on fera un test ensemble, on fera un maquillage avec les nouveaux produits. Voilà comment il se présente. Flacon pompe, très important, le flacon pompe. Bon, une belle contenance, hein. Pourtant, non. Il y a six... Ah non, c'est 6 mois. Pardon. Il y a 30 millilitres, ouais, bon, normal. Bon, il a l'air pas mal. Peut-être un peu foncé, mais on en entend peu. De toute façon, en même temps, j'en ai plus maintenant. Mais j'avais envie de tester. Voilà, pour faire un make-up. Alors, mon cadeau d'anniversaire, normalement, c'était un gommage visage. J'en ai un entamé dans la salle de bain et j'en ai deux d'avance dans la boîte. Je dis non, gardez-le. Elle me dit, mais vous en prenez l'un, ça vous fera d'avance. Je dis, madame, j'en ai déjà deux d'avance. Ça ne me sert à rien. Il a fallu un peu que je m'agace, hein. Grognasse. Elles sont un peu cucu. Enfin, celle-là était particulièrement cucu. J'ai broché. Je lui ai dit, vous ne pouvez pas me remplacer par autre chose? Elle me dit, je sais rien. Elle me sort un masque visage que j'ai aussi, que j'ai déjà en un exemplaire entamé. Et je crois que j'en ai encore un vers moi. Je regarde par là, parce que la boîte est là. Voilà. Je dis, non. Elle me dit, bon, mais écoutez, en dernier recours, j'ai un baume botanique universel, une réparation de cheveux secs ou abîmés. Petit flaconnet, hein, comme ceci. Je dis, ben, je prends ça, en sachant que je l'avais à la maison. J'en ai un gros que j'avais acheté. Mais de deux côtés, hein. Ça fera des cadeaux pour les copains et les copines à l'occasion. Et puis, ça, je l'ai acheté aussi, parce que ça, j'en avais envie. C'est juste un gloss liquide. Il s'appelle comment? Il s'appelle le baume liquide rouge vertige alors qu'il est transparent. Donc c'est un. Oui, pour faire briller les rouges à lèvres, quoi. Hein, un gloss qui ne soit pas trop collant. On me dit, oh, bah, je sais pas, d'accord. Je le mets sur sa main, je touche sa main. Bon, ben, ça colle comme un. De toute façon, il faut savoir que les. Faut être logique et évidemment intelligent. Ouais, je m'auto complimente. Ouais, donc un embout. Un embout, hein? Ah, donc transparent. Oh bah oui. Juste pour mettre un peu de glossy sur les lèvres. Sur le rouge à lèvres. À lèvres. Sachant que ce rouge à lèvres, il va disparaître dans le masque. Oui, j'ai bientôt fini. Elle dit, les choses sont. Et il y avait donc le cadeau du mois. Et t'en as bien. Donc j'aime bien. Alors, c'est. Donc j'avais droit aux deux cadeaux, comme toujours. Un miroir ridicule, un miroir de sac, que j'en ai jamais sur moi. Joli, rose et marron. Un miroir. Et en général déforme, ah, mais il y a le plastique en plus. Non, il ne déforme pas. Ou alors il fait la peau. Ah non. Ah non, on voit bien les boutons. Vous ne les voyez pas là, mais je m'en fiche. De toute façon, je vais mettre le masque aujourd'hui. Hein. Alors j'ai rien fait. Donc, il y avait là tout. J'ai vu une présentation. D'ailleurs, c'est toujours dans les trucs comme ça, leur cadeau. Une boîte. Hein. Et le gant démaquillant, c'est ça que je voulais. Quand je l'ai sorti de la moche, je rigolais toute seule. Mais j'ai dit, c'est pour Mimimati. Attention, gentil, gentil, gentil. Pas de méchanceté en ces mots-là. Regardez, c'est un matin dans ça, je sais pas, vous voyez. Je vais enfiler. Oh, il est très joli, hein. Il est rose tout doux. Voilà. Donc en fait, c'est une petite mouffe, quoi. Une petite nettoie. Normalement, sans produit. Moi, j'en mets toujours un petit peu. Là, ça suffit largement, hein, tu diras. Mais j'ai trouvé Mimine. Mignon. Et il a même le petit truc pour l'accrocher. Ah, ça, j'aime bien. Sincèrement, j'aime bien ces petits trucs. C'est tellement doux. C'est mieux au niveau sensualité, sensualité, que les gants de toilette. Ça fait le même effet, mais c'est. Voilà, c'est fini. C'est fou, hein. Attends, viens. J'ai pris tout ça chez vous. En fait, j'ai besoin de pas grand-chose. Puis surtout. Ils innovent peu, hein. Dans les magasins, toujours la même chose. Alors, ils bougent un peu les étages, non, les étals, comme ça, tu as l'impression qu'il y a plus de choses, ou des choses ont changé. Il y avait des petites palettes minuscules, mais les couleurs ne me plaisaient pas, et c'est déjà des trucs que j'ai, et donc j'en ai peu, en plus. Bon, ben, j'ai fini, hein. Ridicule quand je fais ça.
Je m'en fous, le ridicule ne tue pas, sinon très longtemps que je serai morte. Pourquoi je fais ça? C'est mon meilleur profil. Non, je n'ai pas le meilleur profil, je suis belle partout, devant, derrière. Je rigole. Bon, sur ce, je vous aime, je vous adore, à bientôt. Prenez soin de vous, faites attention, mais marrez-vous quand même. Hein. De toute façon, vous savez ce que je dis? J'ai eu une illumination. Le virus n'aime pas les gens qui rigolent. C'est pour me donner l'impression que je suis invincible. Attention, s'il y a des âmes chagrines ici concernant le virus, merci de vous abstenir ou de me faire des réflexions gentiment en commentaire. Je prends les choses à la légère, pas du tout. Mais qu'est-ce que ça fait que l'âme se fasse la fille? Vérifier le virus. La peur n'empêche pas le danger. Olé. Salut tout le monde. Salut ma Patricia. Bye bye.